Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Corinthe. On joue d'ailleurs la campagne c'est Courroux de Sparte. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Oui, voilà. On avait essayé de prendre cette ville, mais petit bug. La flotte qui fait qu'on ne peut pas être en position fortifiée. On avait repris Olynthe également. Voilà, je me remémore. Et ah, Artemis. Oui, Artemis qui vole bien de la nourriture. Hein, et c'est vraiment cool ce qu'il fait. En vrai, il vole 2,4 de nourriture. Et on voit que là, Argos. Ils sont pas très bien là, ils perdent beaucoup d'unités. Pas de modération de la Ligue étolienne. Ok. Accords commerciaux. Mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Enfin, j'ai pas besoin de lui déclarer la guerre ou quoi que ce soit, donc oui. Usure, usure, j'espère que c'est pas eux. Ah bah si. qui dit usure dit. Je vais lever une petite armée. Je vais lever une petite armée histoire de. De pouvoir prendre la ville sur les terres en fait, hein, et ça devrait pas poser de soucis. Hop, une armée. Ah, oui. Forcément. On verra ça. Je vais débloquer au niveau de la technologie. Voilà, gymnase. Comme ça, on aura tout ce qu'il faut. C'est quoi? En fait, je vais lui piquer ça. Ah, je vais lui piquer quelques unités. Ah, ouais, mais non, attends. Parce que là, je peux pas le mettre dans la ville ce tour-ci. Et ça, là, je le vois très bien, ça. On va prendre des unités. Les sirènes de Mésogéios. Ok. Où est-ce qu'on en est ici? Ah oui, on avait fait de la nourriture, c'est très bien. Pardon, continuer. Et là, on voulait prendre Mandé. Voilà. Et bien évidemment, on occupe. Mandé. Parfait. On ira prendre Toronée le tour d'après et ça nous permettra d'avoir entièrement la province de Chalcidic. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais voilà. Il faudra dans un deuxième temps gérer les rébellions. On vérifiera également à ce que Athènes ne fasse pas d'alliance avec Macédoine. Parce que ça poserait vraiment problème. Eh ben j'ai bien fait de ne pas mélanger mes unités là. Alors, il a corrompu une unité. Je sais pas ce qu'il a corrompu, sachant qu'il n'y avait personne. C'est pas grave. On reprend là où on en était. Oups. Je pense que ça suffira. Voilà. Tiens, essaye donc de me corrompre des unités en mer, toi. Ça va te faire les jambes. Hop. Allez, 3-4 unités de hoplites, c'est parfait. Hein. Hop, on retourne à Olynthe. Et le tour d'après, on ira à Toronée.
Ouais, j'ai une petite armée ici, mais tant que je m'entends bien avec les épires, ça me sert pas à grand-chose, hein. Je sais pas comment je suis. On va attendre quelques tours histoire que le moral remonte. Je vais à la Pronoï et ensuite je vais à la Zakynth. Il a repris sa ville. Il a pas repris sa ville, lui, purée, n'importe quoi. Et est-ce que je monterai pas encore quelques flottes? Parce que là, 6 tours avant reconstitution. Là, ça me prendrait 4 tours. Allez, on va faire ça. Oh, il y a du feu. Non, je crois que c'était le feu, mais pas du tout. Ok, ça c'est en route, on va même le faire accélérer, hein. C'est quoi? Hop. Je vais même fusionner avec les têtes de l'hydre. De l'hydre? Et ce sera parfait. Battez. Oui, bon, le temps que ça se monte. Hop. Avançons en embuscade. Très bien ça. Et mon 10 de coup d'entretien des mercenaires, ça va m'être utile. Sachant que j'ai du mal à monter hein, forcément mes armées actuellement. Ok, ça fait de la nourriture. On va faire du coup l'embarcadère. Voilà, mon objectif c'est avoir de la nourriture pour l'instant. Eh ben, il y a du monde ici, hein. Du joli monde. Bon, ça s'excite à côté d'Athènes. Bah, normal, hein, j'ai envie de dire. Et à ce niveau-là, j'ai passé, je me souviens plus. Non. On a passé le tour. Ça a levé une petite armée au niveau de Toronée. Est-ce que ce sera suffisant? On va engager les gardes du corps, attention. Les Thessaliens hiver. Et tout ça quoi, bon classique. Pas de chance. Waouh, oui, beaucoup de revenus en moins. Beaucoup, beaucoup de revenus en moins là. On va faire de la nourriture. Ça va être compliqué là, les quelques tours. On va y perdre toujours. De la nourriture, donc c'est très bien. Eh ben, je peux pas. J'ai pas assez d'argent. Oui, faillite. Oh, c'est un grand mot, ça. Résolution automatique, agressivement. Et on fait tomber nos pactes. C'est parfait. Ça m'est totalement inutile ici. Eh oui, le thermos vient d'ici. La grande invention qu'est le thermos vient de là. Voilà, vous le saurez. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Prenez pas au mot ce que je dis. Ici, je pourrais faire un petit terrain, mais je crains de ne pas avoir assez d'argent. Ici, on est dans la ville. On craint pas grand-chose. Et Amiral, j'ai vu qu'il n'y avait que ça qui était sympa. Voilà, on retourne sur le pied de vache. 12! Pardon, pardon, pardon. Il a vraiment monté 12 unités en un tour et demi là? C'est chaud. On va voir ce que ça donne. Okay, ça donnera jamais quelque chose de bien là. Je vais reculer, je vais réavancer et y aller hein, avec un fort. Et on va voir si encore une fois. Ouais, c'est bizarre ça. Hein. Ouais, bon voilà, les Macédoniens ici, c'est ce qu'ils veulent faire. Hein.
Je vais très vite retourner à Olynthe. Voilà, on voit que les Macédoniens, ils s'excitent. Ils sont... Je sais même pas pourquoi. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Attends, pacte de non-agression? On sait jamais. Voilà, accords commerciaux. Oui, ça passe bien. Alliance défensive. Ça passerait. Statut de client. Ouais, trop beau. Lance militaire, ouais. Accès militaire, allez. On va exiger un petit paiement. On va exiger un paiement un tout petit peu plus petit. Apparemment, il veut pas. Bah si, regarde. Bien sûr que tu peux. Voilà, j'ai des bons voisins. Eux, ils s'aiment pas. Ah oui, ils s'aiment vraiment pas. Hein. C'est dommage. J'aurais bien aimé l'avoir comme allié. Les Thraces, ils sont en guerre contre les Grecs. Peut-être faire un petit pacte de non-agression. Ouais, voilà. Ça mettra un peu la pression aux Grecs. Accord de non commerce. Accord commercial, c'est bon. Il veut pas le pacte de non-agression, mais à mon avis, il a aucune raison de m'attaquer. On est en guerre contre les mêmes. Allez. J'accepte. Qu'est-ce qu'il vient faire chez moi, lui? Dégage de là. Ah, c'est l'hiver, l'hiver, c'est compliqué ici, hein. Et il va m'attaquer hein, sûrement en plus d'ici. Voilà. Après cette position sera plus facile à défendre. Mais quand même. Moins de coûts d'entretien. Ouais, pareil. J'ai pas trop le choix là. Niveau argent, ça craint. Ça craint du boudin, comme on dit. Il y a des flottes, lui. Il y a une ombre de flottes, c'est absolument fou. Hein. Est-ce que je peux le choper là, comme ça? Si. Ouais, ça passe. Allez, je lui coule deux flottes. Je relâche par manque d'argent. Ça me ferait du bien. Ça me fait de bien. Hop, et on retourne à Pronoï. Je vais prendre des têtes de l'hydre et je vais aller les deux à Zakynth. Comme ça. On devrait libérer tout ce côté-là des Athéniens. Toute cette côte des Athéniens. On fait une maison. Ouais, je sais que la trésorerie est vide, mais j'ai pas le choix, mon ami. C'est un amiral. Pff, ouais, mais les pillages. Pour le taux de reconstitution, c'est pas mal, hein. Parce que ça met longtemps forcément à se remettre une flotte. Et... Pas trop trop chaud. Oui, je sais, je sais, je sais. C'est le printemps, enfin. C'est bon, il est parti de chez moi, lui? Allez, zut. Dégage. Il s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure idée. Allez, je fais un recrutement pendant que je le peux. Ici, on refait de la nourriture. Ici, ah, aqueduc. Ouais, un aqueduc. Le moral y est. Hop. On s'avance de Zakynth. Et au besoin, on recrutera. Ah non, on recrutera pas. On recrutera pas. Ah, ça devrait aller, il a quoi? Il a 5. Par contre, toi, ouais, ce sera pour.
prendre la ville, je vais avoir besoin de mes hécatonkyres. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Plus 20 au nombre de prisonniers, ça c'est pas mal. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est toujours... Wow. Ah, flûte. Je vais arriver un tour trop tard. Ah ouais, je l'ai autant bouffé que ça, là. Avec sa nourriture? Ah, compliqué. Mon espion, je vais l'envoyer à Macédoine. J'essaie de lui faire voler de la nourriture, comme ça, s'il a des armées bousillées, il m'attaquera pas. Et s'il m'attaque, ben ça donnera rien d'intéressant, quoi. Je te propose un petit accès militaire, moyennant paiement. Ça passe pas. Pacte de non-agression. Ça me va. Plus 10 de richesse, c'est très bien tout ça. Ouais, surplus de population. Et pire. Je vais faire un petit temple. C'est forcément l'armée qui va. En fait, c'est forcément l'armée terrestre qui va devoir rentrer dans l'armée. Ah, excellent. Voilà, prenant, il me le prendra pas. Hein. Ah, d'accord, oui. Là, on est bon. Là, eh ben, il a pris. Hein. Par contre, il a pris, mais ils sont pas tombés. Donc, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils sont allés foutre là-bas? Attends, ils sont où? Je les vois quelque part par là, mais... Ils doivent être en embuscade, je suppose. Salut, Athénien, que fais-tu? Oh, j'ai pas les renforts de la ville. Ah, sérieux. Soit. Ce qui serait bien aussi, c'est faire connaissance avec. C'est qui sont là? Ah, bah c'est bon. Accords commerciaux? Non. Pacte de non-agression? Non. Ils veulent pas. Hein. Voilà, le fait de faire un pacte de non-agression avec l'un d'eux, ça va monter. Voilà, directement le. Nos relations avec les autres. Bon, ça passe pas. Ah, il veut pas, hein. Hop, lui, il m'aime beaucoup. C'est parfait. Par contre, je peux pas faire de commerce. Accès militaire. Ouais, bien. Alliance défensive. C'est peut-être un peu demandé. Ça, c'est normal. C'est normal aussi, alors défensive, ça passe pas, c'est pas grave. On va réessayer, hein. Il veut pas, hein. Le pacte de non-agression, il veut pas. Sparte. Ah oui, c'est vrai qu'il avait perdu son port, lui, couillon. Là, on s'est fait pas mal d'argent ce tour-là. 1500 grâce à Sparte. Je l'ai pas vu venir. Coup de bâtiment, oui, c'est ça. Ici, ça va être une colonie fermière. Hein. 8 de bonheur. Ouais, je suis déjà très bien. Ah, allez. Là, on a. Ah, c'est pas vrai, il va pas me lâcher lui. Hein. Je sais pas s'il vient foutre chez moi. Il a un trip avec mes villes là. Ouais, je vais la recruter.
pas beaucoup de d'unités étant efficaces, du moins chez moi. Il y en a pour combien de tours là? Un tour. Deux, trois, quatre tours, bah purée. Eh ben écoute, mon gars, prends ça si tu veux. Mende, non, je vais pas le faire de suite à Mende du coup, on sait jamais qu'ils me prennent là. Voilà, puits de stockage. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle hein, sur ce mode. Et les dégâts, ouais, les dégâts des navires, parfait. Voilà, ici, on va faire ça, et ici, même principe. Donc on fait un blocus. Et on est vraiment donné perdant. Oh. Est-ce que... Non. Ça paraît bizarre ça encore. On en armée à pied là, je lui dirais de faire le tour comme ça. Hop. Hop là. Comme ça, le tour prochain là, il devra avoir. Il devrait avoir. Des mercenaires, je vais y arriver. Ouh là là. Allez, petite bataille maritime. J'ai la supériorité au niveau des flottes. Je vais attaquer sa flotte à fond au début. Pareil pour. Ouais, je vais essayer de focus certaines parties comme ça. Et de faire couler surtout ces navires de d'armée de terre. D'armée terrestre. Allez, on se retrouve de suite. Eh ben, c'est une belle victoire. C'est une très belle victoire. Hein. Voilà, très très peu de survivants chez l'ennemi. Et il lui reste cette petite armée là apparemment. Hein. Voilà, on relâche. Pas besoin de plus. Ouais, il lui reste rien du tout. Je suis pas. Non, c'est bizarre ça. Pourquoi je peux pas attaquer? Ah, il me bloque le passage, quel salaud! Hop, ah bah non, mais j'ai pris la ville, c'est normal, je peux pas attaquer. Par contre, normalement, je suis censé lui pouvoir l'attaquer. Ah non, bah non, je suis en marche forcée. C'est une très belle victoire, ma foi. On en veut des comme ça plus souvent. Tout simplement. Hop, une terre consacrée. Embarcadère, ça fera de la nourriture. Hop, 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 on l'a vu là. Il y a un marche forcé, c'est parfait. Embuscade. Voilà, on n'en parle plus. Mission annulée, quoi. Ah bon? Ça a annulé la mission parce que je l'ai eu? C'est bizarre ça. Hop! On se rapproche de là, toi. Que me veux-tu encore? Voilà, c'est plutôt pas mal. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura commencé à. Alors, on n'aura hélas pas pu prendre Chalcidic à cause d'eux, hein? Mais mon espionne arrive chez eux incessamment sous peu pour leur voler de la nourriture et on va tout simplement désagréger l'armée. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao!